Les trois points, en fait, c'est quelque chose que le cerveau aime bien. Et l'employeur, quand il voit trois points, son cerveau, tout de suite, il y a des connexions logiques qui se font. Il se dit, c'est organisé, c'est structuré, ça me plaît. Pourquoi pas sur vos CV la règle des trois points si vous y arrivez, avec trois compétences que vous arrivez à faire ressortir. Ce sont de vrais vaillants. Pour eux, pas question de chômer. Objectif, trouver un job d'été. En pleine vacances de printemps, 42 ados, autant de filles que de garçons, ont poussé la porte de l'espace VGE du Clos Fournereau à Mornant pour mettre toutes les chances de leur côté et être recrutés. Au programme de cet atelier, conseils pour rédiger un bon CV et mise en situation pour se frotter à l'épreuve de l'entretien. Essayer de mettre déjà des points positifs avec toutes les qualités que je sais faire. Essayer de le structurer un petit peu avec quelques thèmes pour montrer qu'on est assez organisé. J'ai pas d'expérience dans le milieu professionnel, mais je pourrais dire par exemple que j'ai fait un stage en troisième dans une clinique vétérinaire et que ça m'a appris quelle relation on doit avoir avec le client. Parler des expériences professionnelles, par exemple le stage de troisième qu'on a fait dans le cadre du collège et les expériences d'autres stages ou d'aide avec nos parents ou quoi que ce soit pour pouvoir plus décrocher un job d'été et se démarquer vis-à-vis des autres candidats. Ne pas raconter de craque, être soi-même et faire preuve de bon sens, cela peut paraître évident, mais voilà quelques clés pour ne pas passer à côté. C'est vraiment de leur faire prendre conscience de l'importance d'un CV et d'une posture d'entretien. Un CV qui tient la route, c'est un CV où les informations sont claires, où l'employeur il a pas à se casser la tête, il regarde très rapidement les informations principales, donc le nom, l'âge, les coordonnées, les disponibilités, la mobilité et les compétences et savoir-faire. Et à partir de ce moment-là, il sait qu'il peut compter sur l'employé ou pas en fonction de ses premières informations. Et tout ça dans une mise en page lisible et claire. Même salle, autre ambiance. Voici venu le temps du job dating en présence des employeurs. Noah a troqué le sweat capuche pour une chemise de beau gosse. Voilà le lycéen dans la posture de l'entretien. J'ai fait plusieurs stands, dont deux stands de préparateur de commandes et même un troisième en tant que vendeur à la vie claire. Je suis allé voir aussi pour l'agriculture en tant que ramasseur de fruits et légumes. Tous les jobs ont été intéressés par, on va dire, mon profil. Ça nous permet de travailler à 16 ans et de pouvoir avoir un salaire minimum pour pouvoir faire des choses avec nos amis et gagner un petit peu d'argent, quoi. Une centaine de jobs étaient à pourvoir et gros succès pour cette édition des jobs d'été en Pays Mornantais. Plus de 250 jeunes sont venus postuler. Les 7 co-organisateurs, dont la Copamo, eux non plus ne vont pas chômer pour préparer la prochaine édition.